Hey, 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 cucu mes petits culs, re-bienvenue, ou bienvenue tout court, pour ce nouvel épisode de Crooks The Big Heist, mission 14 avec le sous-sol surprise que nous avions déjà découvert une bonne partie la dernière fois. C'est pas ça ce que je voulais, à chaque fois je me trompe, c'est info sur les gardes, voilà, et j'avais réussi à planquer mes petits bonshommes ici. La seule alternative maintenant, ce sera forcément d'interagir avec ici. Ça peut le faire. Oh, il y a des sous. Mais c'est pas possible. Je vais trouver plein de trésors sans le vouloir. J'avais pas vu, moi. Attendez. Mais non, il y a une caméra. Alors ça, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la nana. C'est la statue qu'il y avait là-haut, mais en plus petit. D'accord. Et là, c'est quoi? Oh, je sais pas. C'est très bizarre. Alors, il y a des trucs à faire. Lui. Ah ouais. Ah ouais, lui, on peut vraiment pas l'éviter. Alors, c'est un peu relou parce que... là, j'ai Jean-Pierre qui se réveille. Là, j'ai une caméra qui donne directement sur la porte qui s'ouvre. Donc, si je me mets là, ça s'ouvre, on se fait griller. Et puis ici, il y a une caméra, donc on se fait griller aussi. Le plus facile, ce serait de passer par là. Désactiver la caméra. Et après, interagir là-dessus. Ah ouais, mais c'est chiant, il y a des caméras partout. Comment faire dans cette galère? Sachant que les caméras, je peux les couper, mais si le terminal, il est ici... Quel moyen ai-je pour arriver jusque-là? Bah, pas grand-chose. J'ai des trappes. D'accord. Mais j'ai rien qui correspondrait. Ah ouais, si j'avais eu roquette, ce serait peut-être plus simple. Mais je n'avais pas prise. Et je n'ai pas le robot non plus qui passe à travers les rayons. De toute façon, on doit aller là. Bah oui, je suis bête. Ah, comment faire? On a une pièce de repli ici. Une pièce là. Est-ce qu'il voit à travers les grilles? Un petit peu quand même, hein. C'est un petit peu le cas. Bon. De toute façon, là, je fais un petit bilan. Je pense que de toute façon, on est obligé de se faire gruger par au moins 3 caméras. Que ce soit celle-ci. Que ce soit celle-ci, celle-ci. Et de toute façon, on a encore des trucs... Pour la caméra, on en a 3. Donc c'est-à-dire qu'on pourra retourner au truc incognito. Ou du moins, la jauge de danger étant vide, on a de quoi se faire griller sans souci, si on veut. Donc je vais envoyer Lobkowitz qui va enlever cette caméra ici. On aura déjà ça de fait. Ensuite, faudra passer par là, je pense. On a un garde qui se balade. C'est pas cool, mais... Un garde qu'on peut rien faire, hein. il est rapide, il y a tout ce qui... Oh putain, il y a encore de la thune là. Mais c'est pas possible, je vais tous les trouver moi ces trucs. Bref, il y a encore un garde là, mais on va débloquer ici pour aller chercher notre objectif. Donc je pense que voilà, il va falloir faire vite parce que à mon avis, il fait... Donc quand on est dans son dos quoi, on pourra y aller. Donc, je n'ai qu'une seule chose à faire... C'est qui coupe la cam. Attention, on est parti, on va se faire griller la moelle. Voilà. Ah ouais, ça augmente bien quand même, hein. Ah, c'est bâtard. C'est bâtard. Ok. Là, on aura besoin de l'Opco. C'est quoi le topo? Et de Rufus. De Bishop pour ouvrir la porte. Je peux pas trop faire autrement. Là, il regarde. Faut que je reprenne la patrouille. Ouais. Ok. Je vais envoyer Lobkowitz là pour un premier coup. Je pense pas que j'aurai le temps de faire un repli stratégique, de faire ça et ça. Ça va être en étape, hein, mais. Je peux pas faire autrement, donc on va attendre qu'il s'en aille. Il regarde par là. Ok, vas-y. Je suis obligée de toute façon.
Oh là là, on est déjà suspect. Et après tu reviendras là. Ah non! Il y a la thune! Haha! J'attends qu'il fasse avant parce que sinon je perds du temps. Attends. Prends la thune avant et reviens là. Voilà. Ouh, ouah, dépêche-toi. La porte! Punaise, cette porte qui met 10 ans à se fermer! C'est le stress, quoi. Ah ouais, il est vraiment rapide, donc ça va être chaud patate. Ah, chaud patate. Ouais, bon. Pas trop d'autres choix. Et ça, ça fait quoi? Ouais. Ouais. Tant pis. On va attendre, hein, s'il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc voilà. Malgré tous les coins et recoins. Je suis en train de me dire parce que le temps qu'il regardait là, là, il voit pas. J'aurais pu le planquer là, par exemple. En plus, il est bien long parce qu'il fait bien à chaque fois, les trois fois les trucs, quoi. Ouais, j'aurais pu, hein. Parce qu'il voit pas le coin, mais bon. C'est complicado quand même, hein. Je joue ma vie quand même, je suis en suspect, là. Donc c'est un peu ardos, hein. Je sais même pas... Non, il va se faire voir par l'autre. Oh putain, tout juste. Oh putain, la vache. Ok, c'est bon, ça c'est fait. La porte, sérieusement. Ok, et ça, normalement... J'ai appuyé sur... C'est combien de temps? 10 secondes. D'accord. Et ça, c'était combien de temps? Faudrait que je sache. Parce qu'il a eu le temps de faire ça, mais est-ce que c'est plus long pour ouvrir une porte, hein? Et que bon, si le gars il arrive, qu'il est en pleine. Il peut pas se mettre à l'intérieur, quoi, en fait. En plus, là, comme ça, il peut limite se planquer ici. Et après, là, ouais. Ouais. Je pourrais juste envoyer les Cléopatra après et que c'est tout ouvert, quoi. Mais elle a une clé, elle, d'ailleurs. Clé porte d'acier. Ah bah écoutez, je vais mettre Cléo. C'est plus logique. Oui. C'est plus logique. Non mais tu vas... Tu vas juste aller là. C'est parti. Voilà, je vais juste envoyer Cléo parce qu'elle a une clé. J'avais bien fait parce que je l'avais chopé la clé, c'était par là. Quand on avait été désactivé ici, il y avait une clé. Et je m'étais dit peut-être pour qu'elle ouvre ça, mais bon, c'est pas grave. Hein, elle fera... Il y a une autre clé ici, de toute façon. Clé porte de sécurité, elle la prendra et puis voilà. Donc, Cléo. Alors ? Elle fera ça, elle ouvrira. Elle se planquera en fonction du mec. Je sais même... Il est où là ? Il est où qu'il est là ? Il va repartir par là. Chouk, chouk. Chouk, ok, donc on aurait peut-être le temps, mais lui il est long aussi quoi. Bon, écoutez, on va voir. On va passer le temps. Ah, parce que quand il revient comme ça, il voit pas ici hein, par contre. Il voit pas là. Bah là, elle pourrait y aller par exemple. Allez, hop. Tu vas ouvrir, tu viens là. Putain, je suis trop conne. Il va venir là. Il est où? Il est là. Écoute, est-ce que tu peux... Ah, c'est mort, putain. Parce que là, il vient là et il vient là. Pour faire jouer à cache-cache. Denis, Melvieu à l'ombre, 6 pieds sous terre. M.
Il a des clés de voiture à côté de la note. Ah merde. Fort à l'indice qu'on cherchait. Béchope. Quoi? Il a raison. Il est sans doute trop tard pour ses arrêts. Ah, ils ont tué le mec. Il est pas là. Alors, on baisse le rideau? Sûrement pas. Oh, le gars, il arrive. Il est hors de question d'abandonner si facilement. Je crois que c'est mort. J'ai été trop imprudente. RAS, repli. Cela, le gars, il arrive, donc c'est mort. Elle va se faire prendre. Bon, c'est pas grave, on va recharger la partie. Oh putain, non! Elle s'est pas fait eu! Tu peux rien faire, toi, avec ça? Ouais, non, tu peux rien faire. Elle s'est pas fait eu! Oh, il y a de la thunasse! Viens chercher les thunes. Le temps que lui sorte, il va aller là et on pourra sortir. Oh là 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 là. Ouais, ouais, mais je suis visible, hein. Je me suis fait eu bêtement. Maintenant, lui il est là. Ok. Tu sais quoi ça? Non, on s'en fout, c'est pas très. Tu vas te mettre là plutôt. Au cas où lui revient. J'attends juste que lui se casse. Après, il faudrait peut-être venir ici. Il y a un bloc-porte et tout. Mais elle a plus le truc de caméra. Donc ça sert à rien. C'est pas elle que je vais envoyer. Mais qui je vais envoyer? Parce que... C'est chaud. Et je les ai désynchro en plus, j'imagine, donc pour... ouais, ça, bien sûr, ça va me compliquer la tâche. Hop, viens là. Ouais, je les ai désynchronisés. Est-ce qu'il va bien falloir venir ici, chercher le bloc-porte donc, c'est-à-dire que, ben... Il est possible, lui, on peut l'étourdir. On a récupéré. Maintenant, ce qu'il faut, en fait, c'est se barrer. Hein. Maintenant, il faut qu'on se casse. Et pour se casser, c'est ici. Il faut appuyer sur ce bouton-là et se barrer là. Donc, faut que je vois si c'est impératif d'aller jusque-là. J'ai envie de dire... petite caméra. Il n'y a pas de caméra, mais de toute façon, on est obligé d'arriver ici. Et ici, il y a une caméra. Elle est là. Et la caméra va nous voir rentrer forcément ici pour activer le bouton. Donc, pour activer le bouton, il va falloir rentrer. Et pour... donc, il va falloir désactiver la caméra pour venir ici. Ok! Je pense que venir ici devient essentiel. Donc, en gros, il faut quand même que j'aille là. Et puis, de toute façon, il faut que je fasse PC, j'y arrivais, ma jauge de danger. Donc, qui vais-je envoyer? Bishop, il a sa pilule. Ça permettrait d'être rapide. Donc, je sais pas. I don't know. Là, ils vont tourner les... Ah non, lui non, on va pas tourner la... Voilà. Est-ce que je suis à la limite... Il est reparti. Ah là là, c'est complicado, hein. Parce que là, la cachette, il y a que Cléopatra qui peut le faire. Y a pas... Les autres peuvent pas, donc... c'est compliqué. J'ai une porte là de repli, ouais. J'ai pas vu d'ailleurs s'il voyait à travers les barreaux, mais je pense pas. S'il prend sa pilule, il va aller vite pendant qu'il fait ça, là. Pendant que lui, il est occupé. Logiquement, il pourrait s'en sortir. Venir ici, faire tac, récupérer là. Je suis pas sûre. Ouais. Putain, mais il y a un safe, là, en plus. Oh, ouais. Le bloc-porte, faudrait que je mette là. Ouais. Ouais.
Bon, écoutez, on va faire comme ça. J'ai pas trop de choix. J'ai pas trop de choix, je pense. Juste regarder un truc. Attendez. Lui va là. Il regarde le safe. Il va là. Il retourne là et il revient. Je sais pas trop. Là, je pourrais avancer. On va le faire. Les gens, on va le faire. Allez, hein. On ne vit qu'une fois. Tu vas prendre ta pilule. Et tu vas venir jusque-là. Jusque-là. Ah ouais, il voit à travers les... Merde, j'avais pas vu que c'était fermé! Oh là 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 là, je me complique la life, hein. Ok, j'ai perdu. Oh là 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 là, dépêche-toi, 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 dépêche-toi! Ok, donc je reprends ici mon jeu à crash. Super. Ça m'a bien sûr save un endroit pourri, mais de toute façon, je pourrais pas faire autrement. Il va quand même se faire choper la moelle, donc bon, je vois pas trop comment je pourrais le sauver. Je sais pas du tout. C'est chaud, quoi. Oh! Non mais il le voit pas. L'alu! Il le voit pas! Je suis halluciné, poilonné! Bon sang. Bon, on va faire le safe parce que bon, tant qu'à faire, on va récupérer de la thune. Autant être dans la merde, autant l'être jusqu'au bout. On a défait les caméras. Après, je sais pas du tout comment je vais le faire sortir de là parce que ça va être chaud. Ferait mieux de revenir. Mais il est entre les deux, donc là, il est safe quand même, hein. Tu vas reprendre où ta garde, toi? Ah, il retourne par là, d'accord. On va attendre surtout qu'il soit parti par là pour aller vers choper le safe, mais voilà quoi. Sinon, il y avait une solution, c'était de se mettre là. D'accord, je note. En fait, je crois qu'il revient après, hein. Donc on va attendre sagement. Wow, c'est ça, il retourne en fait. Ok. Go! Ah, il y a encore un truc à ouvrir. Ah, c'est pas possible, j'avais pas fait attention. Alors? Attends. Là, il va aller ici aussi. C'est bon, t'as le time. Non, il a pas le time. Non, t'as pas le time. Ah, oh, c'est pas possible! Oh, j'étais dans la matrice. Je le mets là en coin que j'avais vu tout à l'heure parce qu'il le voyait pas apparemment. Oh là 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 là! Quel stress! Mais parce que je pensais vraiment. Non, mais il avait déjà été deux fois. Ferait mieux de revenir. Ouais, c'est ça.
Normalement, il le voit pas. Non, c'est bon. En plus, il est caché par un chiotte. Mais c'est un chiotte. C'est un toilette qui avec le safe et tout. Non, mais c'est n'importe quoi. Sachant qu'il revient, donc je vais pas pouvoir le sortir de là pour l'instant. Oh là là. Ah, c'est un stress. Vous avez... Ce jeu, je l'adore, mais qu'est-ce qui me fait stresser, hein. Ah là là. Ok. Ok. Ça va être tendu du slibar. Là, il y retourne. Et lui, putain, ça va être chaud, ça, avec lui. Hein. Après, je peux toujours me planquer là, mais... Je pense que ça aurait dû être à Clio de s'occuper de cette partie, mais... Elle avait pas le truc de caméra. Alors, tu peux sortir, stop. Là, il est là. Il va aller là. Oh non, il arrive l'autre. Oh putain, viens là. J'ai... Ouais, c'est tellement juste. Oh. Parce que comme l'autre arrivait là, je pouvais pas le faire passer la porte. Et dès que lui, il sera passé dans le coin, on pourra sortir. Oh là 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 là. Oh my god, c'était compliqué. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus simple que ça à ce stade du jeu, mais non. Bon, alors. On va venir là. Bien reçu. Oui. On va tous se foutre là. On va maintenant faire road to la sortie, ou presque. Alors, il y a plusieurs choses à faire. On va envoyer Rufus faire le petit trou. Sachant qu'on a toujours une caméra en faction. La caméra est désactivable ici. Et ici, il faut passer devant la caméra. Je vais envoyer Bishop. Mais non, il a plus le truc de caméra. Ah, j'en ai marre. Qui c'est qui a la clé? Putain. Mais il me faudrait une clé. Ils sont où? Je suis paumée. J'ai plus la clé. En fait, oh là là là. Mais ça va être tellement compliqué. Là, je suis discret, mais je vais monter là. Fou. Parce que je suis obligée d'en envoyer deux ici. Bishop pour ouvrir la porte. Et Rufus ou Lobco pour faire la caméra avec l'aimant. Mais au moins ce sera... C'est à quoi ça sert ce truc là? J'ai pas compris. Ah mais... Ce jeu, ça, la caméra elle bouge dans tous les sens, c'est un peu chiant. Ah ok, c'est pour ouvrir. Ouais, mais en fait, comme on va passer par le trou, ça devrait aller. Allez, on va pas perdre de temps, on va attendre que Jean-Georges, il arrive, il fasse son tour là. Comme ils sont synchro les deux mecs, parce qu'il y en a deux, quand il tournera le dos, j'enverrai Rufus. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, je peux envoyer... Bah... Toi... Ah ouais, je peux pas faire autrement. Technicos, pareil. Toi, tu viens là. J'ai pas de trop choix. Vois-tu, voilà là. Clé de port de sécurité. Là. On va encore se faire choper par la caméra. Voilà. On est carrément suspect.
Ouais. On est visible. J'adore le sport. Et maintenant. Tu viens péter ça, Staple? Bon, je suis quand même en discret, mais je peux pas faire mieux. Wow. Ça va être chaud. C'est quoi ça? Ah, c'est juste ça. Ouais, non, mais là... Lui, il va s'exciter avec le trou, il va aller là. Là, on appuie la caméra, on pourra tous se faufiler ici. Appuyer sur le bouton. Lui, il est robuste, il résiste aux compétences. Donc, il va falloir ruser. Ah, ça va être compliqué. Bah, c'est Cléo qui va y aller parce qu'il y a une trappe. Et on va ouvrir cette porte-là. Et une fois que la porte sera ouverte... Lui, il est maîtrisable, c'est ça? Ouais. Et aller tranquillement. Eh, mais regardez, j'ai quand même trouvé tous les trésors. C'est trop cool, je suis contente. Ok, bon, ça commence à se définir tout ça. Bah vous, vous pouvez revenir. Ouais, tout va bien, ouais. Vous pouvez venir là. Je suis prêt. Je suis prêt. Ça, je m'en fous. La fourche Tesla, on en a plus besoin à l'heure actuelle. Je quadrille le périmètre. Ouais, ok. On y va. Oui. Vous allez tous là. Ouais, ouais. Wow. Ouais. Vous allez là. C'est quoi le topo? Ok, c'est bon. Il va regarder, mais il arrivera pas à voir. Bien. Ça va barder. Ouais. Ça va barder pour les petits culs. Ah là là, je te jure. Bon, on va attendre maintenant qu'il reprenne sa garde. J'espère juste qu'il va être il va reprendre en même temps que son collègue. Ah non, je l'ai désynchro. Quasiment. Vraiment à l'opposé l'un de l'autre, quoi. Donc ça risque d'être chiant. C'est-à-dire que quand lui, on pourra avancer dans son dos, on aura lui qui va peut-être nous voir. Donc c'est relou. Là, on va, du coup, c'est quand vous voulez. Commencer à faire sortir tout le monde. Technicos pareil. Une serrure accrochetée. Coureuse parée. Coureuse parée. Eh ben, coureuse, tu viens là. Et maintenant ? Toi, tu viens là. Ouais, ouais. Toi, tu viens là. Au travail. Et toi, tu viens là. Voilà, là, c'est bon. C'est bon, il n'y est pas encore au coin. J'ai eu le temps de faire passer tout le monde. Ah, youpi. Et lui, lui, il vient là. Bon. Appuyage sur bouton. Demandez. Ce sera à Cléo de le faire. Il faudra aussi que lui, ça c'est quoi? Porte d'acier. Ouais, bah, j'ai pas la clé. Donc, ce sera à lui de le faire. Tu reviens là. C'est quand vous voulez. Oui, ça c'est bon. Ça a l'air d'avoir ouvert quelque chose. Ouh là 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 là. Porte de garage à plomb.
Oh, tu es puté, c'est... Classique chez les méchants. En tout cas, je dirais qu'on a un nouveau véhicule. On pourrait s'en servir pour évacuer Cesare. Cléopatra ? Oui. Cesare n'est plus au sous-sol. Ouais, c'est probable. On le trouvera peut-être ailleurs. Possible. Alors, fin de la mission. Oui. Fin de la mission. Ok, fin de la mission, les gars ! Ok, maintenant c'est juste, on va sortir. Mais lui, il a un spectre de vision de ouf, hein. Du coup, je vais attendre qu'il soit là pour l'assommer. Et ça s'est joué, mais tellement... Mais heureusement qu'ils ont mis une trappe, quoi. Ils savent exactement, voilà, le joueur, maintenant, il sait comment gérer le truc, donc... Voilà, je les laisse faire venir. Ta-da-da-da ! Ta-da-da ! Ta-da-da-da ! Papa ! Excusez-moi, j'aime bien cette musique. Ah, mais là, il est reparti, hein. Ça casse les pieds. À moins que je les cale là. Ouais. Ouais. Y a plein de trucs pour se planquer ici, donc à la limite, j'ai envie de dire... Je suis prêt. Ouais, tu vas... Vous allez tous venir là. Allez, go! Allez les enfants, par ici la sortie avant que le gros lard revienne. On a déjà une jauge qui a monté. Ouais, nickel, vous êtes les meilleurs. Par contre, il va arriver... Je suis pas sûre qu'on puisse passer là. Si, oh, c'est magique. C'est magique, c'est magique, j'aime trop ce jeu. Ouais, bah go, allez hop. C'est par ici. La sortie. Oui, mission 14. Réussi. Oh putain. Ah, il est dedans. Cléopatra. Oh, c'est notre César, il est dans la voiture. Tu as trouvé mon message. Et tu l'as compris. Oui. Ah, les clés de voiture. D'accord, c'est ça. Clés dans le coffre. Ok. On te sort de là tout de suite. Yeah. J'ai fait déverrouiller un succès. Veni, vidi, vici. Ah oui, ça c'est bon ça. Bon, j'aurais mis quand même 45 minutes. Hein. 10 sacoches sur 13, aucun coffre et 2 safes sur 4. Discret. Ouais, bah j'ai sauvé les meubles, hein, mais. C'était pas parfait. Oh, mais je suis trop contente. Mission 14, elle est rondement menée là. Je l'ai pas trop galéré. C'est trop bien, c'est trop cool. Voilà. On va être millionnaire avec ce jeu. Hein. 194 150 dollars. Nouvelle compétence robomatique, réflecteur de rayon. Ah, le mannequin. Je l'ai jamais utilisé ce truc. Hein. Nouveau challenge disponible, fusion extra. Il faudrait que je vois ce que c'est le challenge. Bon, après, peut-être quand j'aurai fini toutes les missions. Je suis sûre de t'y retrouver. Silverman devait te faire passer l'arme à gauche. Je sais. Ça fait des jours que Morel lui avait demandé. Mais Silverman n'arrêtait pas de remettre ça à plus tard. Et je vais pas m'en plaindre. Entre-temps, j'ai trouvé des photos de la base secrète de Morel. Oh là ! Je connais même les coordonnées. Super, hein. Le sol atypique, c'était pas que de la poudre aux yeux ? Morel s'en sert comme base de dépannage. Le temps que la sienne soit terminée, il y a installé un énorme laser. Pour lequel il lui faut la pierre de lune. Ah. La position de la base lui donne une solution de tir idéale sur une faille sismique. Il veut provoquer un séisme sous-marin, suivi d'un raz-de-marée qui submergera San Francisco. D'accord, eh ben dis donc. Séisme sous-marin ? Sérieux ? Il veut montrer au gouvernement de quoi il est capable pour mieux le faire chanter. Bingo ! Comment tu sais tout ça ? Avant de partir, cet imbécile de Murray m'a révélé tout son plan dans les moindres N'importe détails. Quoi, bah il est con. Un monologue. C'est ce qui a perdu beaucoup de génies du crime. Bon, Swift Sammy Q. Swift Sammy Q, je connais pas. Bon. À supposer que tout ça soit bien réel, elle est où, cette base ? Eh ben... Au fond de l'océan Pacifique. Oh là là, ça veut dire qu'on va y aller. Ça risque d'être sympa. On a toujours vu les choses en grand. Mais là... Oh la vache! La mer. Ah mais oui, c'est ce qu'il y avait en miniature. Laser qui provoque des raz-de-marée pour faire chanter le gouvernement. Au début, faut avouer qu'on était tous sceptiques. Mais les photos de Cesare confirmaient ses dires sur les plans de Murray. Il fallait le reconnaître. Nous avions lourdement sous-estimé ce dont Murray et la pierre de lune étaient capables.
tout porté à croire que son plan, aussi grand guignolesque qu'il paraisse, avait toutes les chances de marcher. L'équipe a eu alors une réaction épatante. Lobkowitz a arrêté de jacasser et s'est lancé à corps perdu dans l'étude du cœur en rubis. Rufus et Rocket ont mis le turbo sur la muscu. Ils savaient qu'il leur faudrait être au top de leur forme. Aïe, aïe, aïe. On va jouer toute l'équipe, ça va être trop cool ça par contre. C'est différent avec Lobkowitz pour l'aider à traiter le rubis. C'était à nous de sauver la ville, et pas n'importe laquelle. La nôtre. Notre ville. Pour y parvenir, il nous fallait un sous-marin. Et par chance, il y avait justement un port militaire à deux pas. D'accord, donc on va devoir choper un... Prochaine étape, ça va être choper un... Aïe, oui, alors, ce sera... Ça, danser ferme, matelot, Pink Feather Club. Pour vous procurer un sous-marin, vous devez vous débarrasser des gardes du port militaire en prétextant une fausse loterie. Césarée les a attirés dans la boîte de nuit de Ringo Flamingo. Vous devez y vaporiser une substance hallucinogène qui les mettra dans un état second. Oh là là! En tout cas, pardon, le cas sera de difficulté encore une fois de 4 sur 5. Et je pense qu'on a ça, après je pense qu'on aura ici et voilà. Donc en fait, il en reste encore 3. Ok, bah c'est super! C'est tout, c'est cool. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le début de cette 15e mission de Crooks. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir été là. Bah, jusqu'ici. Allez, des très gros bisous, salut!